Et là-haut, on est bien content d'avoir des, hein, notre pack et puis des affaires. Un peu de trop. Problème de tendon. Bien massé, j'ai bien voir. Faut pas y penser. Un manche long, non. Attendez pour le petit film aussi, hein. Vous me faites un bon. Oh, l'équipe des bons. Il en manque. J'en veux quoi. Il manque plus là. Il va quoi. J'en veux dans l'équipe premier. Eh oh, la photo. Tu vas fermer après, Serge. Bien. Mais attends, Gabi, il en manque deux. Enfin, ah bon, moi aussi. Alain, tu présentes pour la caméra 29 machin. C'est la 21e course. Non, 29 mars, 26 mars, voilà. Le dernier aux toilettes, viens Sandrine, rentre. Le dernier aux toilettes, il se dépêche. Il n'y a personne aux toilettes. Hey, tu filmes là, non, je ne filme pas. Merde, oui, je vais me s'allumer, dis donc. Combien de participants? 32 concurrents. Hein. Certains sont déjà arrivés. Au départ, voilà. Et il a fait beau aujourd'hui. Ouais. Et désolé, les amis. Avec avant le rythme de tout le monde, mais ça va. Ouais. Ah, mais oui, il y a une heure. Regarde, on a canal sud. Jean-Marc Chopin, 7e édition, 1h05, 50. Jean-Marc Chopin, 7e édition, 1h14.
la vision de la vie, deuxième édition, il y en a 23. La vie studio, première édition. Comment ça, Michel, c'est la vie. Numéro 7, numéro 7, Marie-Claude. Deuxième édition. Thank you.
Quelques Trignette, Ancel, Hélène et Texon. Et puis,
Si les féminines, eh bien, nous attendrons un petit peu plus tard pour obtenir eh bien, les vainqueurs de ces féminines. Je voudrais dire qu'au Rocher du Village, eh bien, c'était Joël Tourou de Devry qui s'est trouvé en tête devant Nicole Moulin de Bristol. Et la troisième féminine était Paul Lévesque du. Voilà, on va arriver Et je vous rappelle, eh bien, victoire ici de Joël Bruno, de l'US Vendôme, devant donc Mac Bishop, le troisième, il reste Mohamed qui nous arrive de Chalon, et le quatrième et Didier Bernard du stade. Là, vraiment, on a ralenti, c'est comme Sylvain a réussi à revenir. Le vent, bon, moi j'ai le vent sur Jean-Louis Charandé, et ça va être des fois assez costaud pour un projet à la fin. J'ai attendu pas la zone. Pour le premier, voici le quatrième. Le premier, il est à combien? Visiblement détendu, calme, fatigué, mais sans plus. Ouais. Regardons son temps. Je suis beaucoup moins bien placé que l'année dernière. Il y a beaucoup de monde, on est bousculé. Enfin, on arrive toujours à filmer. Il va y avoir le temps 52-04. C'est bon, vous ah, cette année, j'aurais pas pu filmer tout correctement, vu la cause ah, du terrain. Non, non. Voilà le premier concurrent de l'arc-en-ciel, il arrive, regarde, dis-moi le temps qu'il y a juste au-dessus. 1-14. 1-14, très bien, je l'ai ici en gros plan. Bravo l'arc-en-ciel. Bravo. Ton prénom? Jacques. Jacques, d'accord. Jacques qui a fait en 1h et 14 secondes et non pas 1-14 comme a été dit tout à l'heure, pas du tout. Il est là, il se dirige de nous. Je le vois plus en fait. Ouais, je le vois, il est derrière la rouge. Ton prénom, tu l'appelles, hein, et tu lui demandes ton prénom. Et derrière, je crois bien qu'il y en a un autre. Et tu me dis le temps juste au-dessus. Arc-en-ciel, ton prénom, s'il te plaît. Ton prénom. Comment? Ton prénom, pour la caméra. Dixier. Une. 1-03-35. Bien, très bien. Attends, ton prénom, numéro 3. Arc-en-ciel. Ton prénom. Arc-en-ciel. Ton prénom, pour la caméra. Hein? Ton prénom. C'est André. Très bien. Pas la peine, hein. Un arc-en-ciel, là. Il y a une queue à des fricus, j'arrive plus à filmer correctement. Il y a trop de monde, beaucoup trop de monde. Ah bah je vois ton prénom. Encore quel ton prénom, numéro 2. Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Merci. Attention, numéro 10, prénom, s'il vous plaît. Ton prénom? Ton prénom. Demain. C'est bien, vas-y, quoi. Et bravo. C'est dur. Et bravo. Personne qui s'engouffre en même temps en 3 minutes sur le couloir.
il est assez difficile de reconnaître quelqu'un en cette cohue. Là, nous en sommes au donne-moi le temps, Sandrine. 1h10 minutes, là, donc 1h11 minutes, et à peu près 6 ou 7 conférents portant les couleurs de la France. Là, tout simplement, on va voir la suite. Vas-y, continue, c'est bon, Michel. C'est bon. Arc-en-ciel est ici. Content. Alain David là-bas avec un bandeau bleu et juste devant. Ouais, un jaune, ouais, c'est. Voilà. Leur temps, donne-moi le temps au-dessus là. 1h13. Comptons les 8 secondes en moins puisqu'ils sont dans la file d'attente. Alain, en fait, premier membre de l'arc-en-ciel arrivé, malgré son tendon qui lui faisait mal. 1-12-56. Rémi Alain, l'arc-en-ciel. Il est content. Ouais, parce que la fille, elle est comme ça. De l'équipe de l'arc-en-ciel qui arrive tout seul ici. Il m'a pas vu, il m'a pas reconnu son temps, Sandrine. Des concurrents qui arrivent et qui franchissent la ligne d'arrivée en ce moment même. Le temps, c'est quoi, Sandrine? 1-14. 5 qui part en ciel, maillot bleu ici, un autre aussi. Je l'ai raté. C'est ça l'arc-en-ciel? Ça va, Didier? Mais quels sont les affiches? J'ai failli rater. Un petit peu de hauteur et je vous donne un aperçu de la situation vu d'en haut, la ligne d'arrivée, très chargée. 14. Arc-en-ciel en maillot jaune. Là aussi, à droite, il me fait un signe. Ça va? Il est ici, le voilà, numéro 4. Ton temps, il est inscrit là. 1-16-55. C'est dur? Ah ouais, 1-16. C'est dur après les vacances. Non. Ils ont fait des calculs, ils ne vous payent pas, c'est la fin. Ça va? Ça va? Ça dit combien? C'est pas trop long, ouais? C'est bien, tu me vois? Non, c'est plus juste. Serge arrive dans le fond avec un bandeau orange. Maillot bleu. J'espère que d'ici vous pourrez l'apercevoir. J'ai essayé de faire un gros plan sur lui. Pas évident, je l'ai déjà perdu. Je suppose qu'il est encore dans mon objectif. Ah, Serge avec son bandeau orange, ça y est. Ah, j'ai perdu. Il est où, Serge? Il est là, dans le fond. Arc-en-ciel derrière Patrick aussi. Derrière. Je vois plus Serge, moi. Serge, signe, Serge. Ah, ça y est, je vois. C'est mieux que ce que vous avez d'habitude. Voilà, cette fois-ci je l'ai. Ça va, Serge? Ouais, mais c'est long. De moi. Ça va, Patrick? Ça va, fort? Ouais, ça peut durer, hein. Ouais.
Rendez-vous à l'arc-en-ciel. Ok. Vous pouvez constater, la situation est complètement bloquée ici. Je ne vois plus rien. On m'a ordonné de descendre de mon perchoir. Bernard, où ça? Tous les vêtements, ils sont où, s'il te plaît? Ben, les... Ça, Bernard? Ton temps là-haut? Ouais, ouais. Combien? Il y a plus bas. Ah y est, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Vas-y. Deux autres bandes de l'équipe arrivent juste derrière. Je vais pas le porter, non ? Devant. Devant. Oh, mais... J'ai du mal avec Adrien, ça y est, je les vois ici. Ici. Arrêtez. Là, je l'ai. Ça, ce que vous pouvez le constater. Ouh, 1h30. Dominique de l'arc-en-ciel arrive visiblement fatigué, épuisé par les forces qu'il a dû fournir. Son temps au-dessus. Dominique, un petit signe. Ça va, Dominique? J'ai ouvert. Il y a 15 jours, j'étais sur le billard. Oh bah. Beaucoup de vent sur cette ligne d'arrivée. Et les concurrents qui la franchissent toujours. Moins nombreux maintenant. Le temps, Sandrine. 1h35. Il nous manque encore quelques concurrents, dont ceux que je connais, notamment Christophe, de l'Exodus, arrivé. Michel non plus, il n'est pas arrivé. Nous les attendons. 38. Franchit la ligne d'arrivée en 1h38 et 13 secondes. Bravo Michel. Bravo Mimi. Premier. L'arc-en-ciel, son temps. 1h39. C'est Gérard qui arrive, mais oui, bien sûr. J'arrive, 1h40-23, je me tourne vers la ligne d'arrivée. Je vais essayer de faire un gros plan, il est là. Le voilà, vous le voyez. En plein effort. Bravo Christophe. On court à tout âge. On se met à l'encombre la vie. Il est arrivé, Nana. Allez, on va voir.
Voilà, Pascal, mes amis, meilleur temps par Jacques. Oh, Jacques, il est où, Jacques? Ah, voilà, en une heure. Bravo. Et maintenant, après l'effort, le réconfort, tout le monde à l'arc pour la directive. Ah, c'est certainement pas possible. Oui, alors. My match, là. La dame est là. Oh, 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 la dame est là. Oh